Buonasera a tutti, ringraziavi di ritrovarci a notte via Stella per i commenti di l'attualità di la settimana con Jérôme Sousine de RCFM. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. L'autre Jérôme, Paoli, celui-ci de Parole de Corse, que je salue et remercie de sa fidélité. Et puis aujourd'hui, Jean-Marc Chabrini du Parti Socialiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors j'hésite à vous présenter comme secrétaire fédéral puisque vous avez annoncé avoir passé la main, mais comme il n'y a pas de successeur pour l'heure, vous êtes encore en fonction et donc tout à fait indiqué pour parler au nom du Parti Socialiste, dont vous restez bien sûr un militant. Alors nous allons parler longuement du Parti Socialiste, de sa situation et puis plus généralement de celle de la gauche, mais avant cela un retour sur l'actualité, cette conférence de presse de l'exécutif à propos de l'amende de 88 millions d'euros qui doit être versée à la Corsica-Ferries. L'exécutif, lors de la session de l'Assemblée, a annoncé ne pas l'avoir provisionné dans le prochain budget et Gilles Simeone s'en est expliqué, on va l'entendre. Il n'est pas question que je participe à cautionner cette injustice. Donc je n'inscrirai pas cette somme. Mais ce choix, il n'est pas un choix, je dirais, de rupture. Alors ça, c'était lundi. Alors la réponse de l'État n'a pas tardé. Le préfet a envoyé une lettre recommandée au président de l'exécutif en le sommant de budgétiser la somme en question, faute de quoi le budget serait déclaré insincère et donc rejeté. Alors on en est là, le blocage est total. L'affaire est essentiellement sur le terrain politique. Jérôme Sousine. Oui, elle est sur le terrain politique. Il faut dire que ce que je pense, c'est que c'est un petit cheval de Troie pour la préfecture, hein, pour l'État. Ce dossier-là, c'est par là qu'on va enfoncer le clou, en quelque sorte, qu'on va peut-être aller un peu plus loin. Mais ça fait quelques mois que les services de l'État, notamment la Chambre régionale des comptes, gravitent autour des satellites, notamment de la collectivité, et on va le dire, ne fait pas trop de cadeaux. Là, c'est une décision de justice que l'État ne peut qu'appliquer. On n'imagine pas du tout le préfet Lelarge qui est parfaitement dans les clous, qui est dans son rôle d'ailleurs, faire autrement. Maintenant, c'est sur le plan politique à l'Assemblée de Corse. L'exécutif a quand même rallié à son vote, à sa cause, le groupe de Paul-Félix Benedetti. Bon, ça a élargi un petit peu autour d'une idée qui est de l'opposition à l'État. C'est peut-être ce qui manquait aux nationalistes, à l'exécutif actuel, de se dire il faut qu'on trouve quelque chose pour fédérer le nationalisme. Et surtout, on a entendu lors de ces débats, des fois s'auto-auge, mais on va peut-être régler les choses différemment. C'est un peu malheureux parce que la Corse n'a pas besoin ni de violence, ni de quoi que ce soit. Il faut régler les choses sur le terrain vert, sur le tapis vert, et surtout pas la nuit. Et il faut que les choses se règlent correctement. Les drames, on les a connus, il faut qu'on tourne les pages. – Alors, dans cette affaire, Jérôme Paul, il suffit au préfet de procéder à un mandatement d'office, hein, d'ailleurs, il est possible qu'il le fasse assez vite. – Il l'a demandé. Vous pensez qu'on va en arriver très vite là, c'est-à-dire que c'est l'Assemblée, la collectivité qui va devoir payer intégralement la somme ?– Je ne sais pas si c'est… Ah ben, je pense que le mandatement, il va arriver. Sur le fond, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a une responsabilité de l'État. Tous les hommes politiques, les prédécesseurs, le président de l'exécutif, mais aussi Paul Jacob. Donc ça, on peut dire que c'est quasiment acté. Mais aujourd'hui, vous disiez, est-ce que c'est politique? C'est aussi du droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une condamnation. Il y a ce rapport de force qui est enclenché. Je pense que c'est le premier rapport de force avec l'État. Le droit qui risque de géométrie variable. Oui, mais c'est le premier rapport de force avec l'État qui risque d'arriver au chaos. Il n'y en a pas. Qui risque d'arriver à un chaos. Parce que le préfet va mandater certainement. Et après, le budget qui a été voté à l'Assemblée va être insincère. Donc on va arriver à une situation de blocage que peut-être on n'a pas encore connue en Corse. Et là, on va avoir. Ça risque de. Ce n'est pas la première fois qu'un préfet exécute le budget de l'Assemblée de Corse. Mais il va y avoir une vraie situation de blocage. Et là, on va arriver à quelque chose de compliqué à gérer. – Alors, Paul Jacob et Jean-Marc Chabrini, le seul à avoir donné une explication claire dans cette affaire, hein, en expliquant les responsabilités à l'époque de l'État et les fortes pressions pour adopter cette DSP qui était illégale. Comment vous analysez cette affaire ?– Écoutez, moi je suis un peu circonspect par rapport à cette position de Paul Jacob et Ange Santini avant lui.
dire que l'État a fait pression, sans doute. Mais personnellement, et dans mon parti, c'est ce que je défends et qui prévaut, nous sommes parfaitement décentralisateurs, et décentralisateurs d'une décentralisation aboutie. C'est-à-dire que les responsabilités sont assumées par les élus, transférées et assumées par les élus, jusqu'au plus bas niveau. La décentralisation ne s'arrête pas à Ajaccio pour la Corse, on va jusqu'aux communes. Ceci dit, comment un élu responsable, au titre de la décentralisation, peut dire « j'ai cédé à la pression de l'État ». Donc sa responsabilité, elle est aussi engagée. C'est peut-être aussi une réalité. C'est sans doute une réalité, mais bon, parler des pressions amicales de Jean-Marc Ayrault, du président de la République dans un avion, etc., enfin, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Moi, je pense que un responsable, quel qu'il soit, a la capacité à résister aux pressions d'où qu'elles viennent, de l'État ou de... – Alors ça, c'est pour le passé. – Ça, c'est pour le passé. – La responsabilité, est-elle celle de l'exécutif actuel ?– Non, mais Jean Vitus m'a interrogé sur Paul Jacobi. Est-elle celle de l'exécutif actuel ? À partir du moment où il y a continuité, on ne peut pas dire on se défausse. Ceci dit. Oui, parce qu'on pourrait avoir le même raisonnement sur les emprunts toxiques qu'il y a eu à une époque en disant bah, finalement c'était pas nous, c'était pas de notre faute, donc on paye pas. Il faut qu'il y ait une continuité de l'institution à un moment donné aussi. Bien sûr, tout à fait, important. Je suis d'accord. Ceci dit, la lettre du préfet, donc, elle indique qu'il a été sommé par les avocats de la compagnie et que donc il engagerait la responsabilité s'il ne le faisait pas. Au titre de la loi du 16 juillet 80. Bon, certes, mais il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Au moment aujourd'hui, le juge administratif dit que la DSP était illégale et condamne donc la CTC à verser une somme exorbitante. Mais les services de l'État qui avaient le devoir d'exercer le contrôle de légalité, qu'ont-ils fait? Étaient-ils d'un point de vue qui aujourd'hui est battu en brèche par le juge administratif? Donc de ce point de vue-là, je pense que l'État a une responsabilité et que l'État doit prendre sa part dans le remboursement. Alors, oui. Qui doit payer l'ardoise et à quel niveau? Elle doit être partagée? Je dis qu'elle doit être partagée de manière plus importante par l'État, mais également avec la participation de la collectivité de Corse. Et je pense que le président de l'exécutif n'était pas en regard ou en retrait par rapport à cette position-là. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans l'argumentaire, en tous les cas, pour défendre la position actuelle de ceux qui ont dit non, c'est de dire ben ça va être autant d'argent de moins pour les communes, ouais, pour l'aide aux communes. Mais qu'on le sache, la collectivité de Corse, ce n'est pas le super conseil général, c'est autre chose, c'est bien autre chose. C'est les 88 et quelques millions de francs qui vont monter, ce n'est pas que pour les communes. D'euros ? Ah oui, c'est des euros. C'est pas que pour les communes. C'est pas qu'aux communes que mais ça va être repris sur cette enveloppe-là. Non, mais c'est non, mais oui. Non, mais il faudra faire un emprunt dans ces cas-là. Oui, mais bon, ça va manquer à quoi? Ça va manquer à l'éducation, ça va manquer au sport, ça va manquer à la culture. Ça va manquer à la Corse en général. Dommage qu'on ne puisse pas redéployer cet argent, par exemple, pour développer le transport entre la Corse et la Sardaigne, avec des rafiots qui sont en train de couler, avec des gens dedans. Là, oui, il faudrait une vraie DSP fiable. Et ce n'est pas le cas actuellement, mais se pose aussi, évidemment, au travers de tout ça, la question, ça a été sous-jacent lors des débats de l'Assemblée, de la Corsica Ferries et de son attachement ou non à la Corse. Oui, et puis ça pose aussi une autre question, à terme, c'est le maintien ou pas de la DSP, parce que rien ne garantit que la prochaine soit faite aussi en toute légalité et dans les normes. Mais au-delà de ça, il y a aussi, pardon, je trouve pas le mot, il y a une dimension politique qui est importante, c'est que ce rapport de force avec l'État, c'est pas un rapport de force qui est conjoncturel par rapport à un dossier. Depuis que les nationalistes sont arrivés au pouvoir, on est toujours dans un rapport de force avec l'État. Et là, on monte d'un cran,
où il y a une vraie opposition forte et on risque d'arriver à une situation de blocage total. C'est peut-être la première fois que ça arrivera. Et ce qu'on va, on n'arrive pas à mesurer tout de suite, mais qui vont arriver très vite, on va en avoir le résultat assez rapidement, c'est les conséquences de ce chaos. Et ça, il va falloir être très attentif à ça. – Il ne vous a pas échappé néanmoins que l'État était incarné par d'autres composantes du paysage politique. Les nationalistes ont été confrontés à la droite et la CTC en général, ont été confrontés à la gauche et c'était un autre type de dialogue. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à Macron. – Il y avait un dialogue déjà. – Il y avait un dialogue, tout à fait. – Il y a aussi quelque chose de… – Ceci dit, si je peux ajouter un point de vue, c'est que sur le fond, on est confronté aujourd'hui aux conséquences d'un choix de société qui a misé sur le tout libéral. Moi, je ne suis pas choqué qu'on ait à un moment donné, que ce soit la CTC, avec l'insistance de l'État sans doute, que l'on ait choisi d'opter pour une compagnie publique, eu égard aussi à la situation sociale du moment. Et je... Ça ne me choque pas qu'on favorise une entreprise qui respecte les droits sociaux des salariés, qui bat pavillon français et donc avec toutes les conséquences sociales que… – Mais vous parlez de quoi? De la SNCM de l'époque ?– Cela implique, je parle de la SNCM de l'époque. D'accord. Et en face, nous avons la Corsica Ferries qui bat pavillon italien international. Donc c'est encore l'Europe, l'Italie, on n'est pas non plus… Non, mais attendez, autant que je me souvienne, le pavillon italien international a été accordé par l'Europe pour des liaisons extra-européennes et pas intra-européennes. Là, on est dans une liaison intra-européenne. Les droits sociaux, vous savez ce qu'ils sont, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est un choix de société, ce sont des dogmes européens. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette conséquence-là. Alors moi, je partage l'avis. Il ne faudrait pas que cette affaire devienne un procès contre la Corsica Ferries non plus, parce que ce n'est pas le sujet. Il y a quand même une petite responsabilité. Non, mais il y a quand même. On peut dire qu'on aide une entreprise, on est pour le dialogue, on est pour le maintien des acquis sociaux, du pavillon français, etc. etc. D'accord. Mais à la limite, on n'est pas obligé d'utiliser le levier de la DSP pour le faire. L'actionnaire, c'était l'État. Jusqu'à la SNCM, donc ils pouvaient intervenir directement via Bercy, ça c'est le premier point. Après, il y a de la concurrence. Quand vous avez EasyJet, vous avez Air France, ça fait partie du jeu aussi. Enfin, je ne voudrais pas qu'on arrive à dire il y a les méchants et les gentils, parce que c'est rarement comme avec, ça dans la vie. Avec EasyJet et compagnie, attendez la fin de l'histoire. Mais, donc moi, je reviens sur la question. La Corsica Ferries, elle se comporte aujourd'hui de manière, et Paul-Félix Benedet hier a été très dur en ce sens, mais moi je dis qu'aujourd'hui la Corsica Ferries est en train de mettre à genoux le contribuable corse. Paul-Félix elle exige Benedet, d'être... – disait c'est pas la Corsica mafieux. – Ah non, c'est pas la Corsica Ferries, et qui c'est alors ?– Jean-Marc Chabrini. – C'est pas la Corsica Ferries qui est condamnée. Hein. – Paul-Félix Benedet disait devant l'Assemblée de Corse un comportement finalement de type mafieux. C'est ce que vous diriez. Raquette. C'est ce que vous diriez vous aussi. Je n'emploierai pas ces mots-là. Mais je dis qu'aujourd'hui, cette entreprise qui a quand même une grande part de sa clientèle parmi les contribuables corses, aujourd'hui, elle est en train de taper sur le contribuable corse. Parce qu'au bout du bout, c'est le contribuable corse qui va déguster si les choses ne changent pas au bénéfice d'échanges avec l'État, entre le président de l'exécutif et l'État. Et j'espère que cela évoluera. – Moi je pense que le contribuable corse, il va aussi être vraiment embêté quand, à un moment donné, la région ne va plus pouvoir mettre en œuvre son budget aussi. C'est-à-dire que s'il y a une situation de blocage comme on risque d'arriver là, C'est un choix stratégique qu'a fait le président de l'exécutif. Clairement. Alors on passe à la deuxième partie de l'émission pour évoquer la situation du Parti socialiste et de la gauche en Corse comme au plan national, parce qu'elle n'est guère différente et puis ce n'est pas brillant, loin s'en faut. La gauche est non seulement atomisée, mais en plus n'a ni leader ni idée. Ce qui est pire, c'est que j'exagère, Jean-Marc Chabal. Écoutez, ni leader ni idée, oui, je pense que vous exagérez un peu.
parce que il y a un travail de fond qui s'effectue au niveau du Parti socialiste en particulier, puisque c'est celui que je connais le mieux et que je pratique. On a un certain nombre de valeurs que nous souhaitons continuer à mettre sur la table, et notamment dans le domaine social et économique aussi. – Mais la gauche, longtemps, elle a mené le combat idéologique, hein, c'est elle qui impulsait les débats, et la droite, eh bien, elle apparaissait souvent, elle, sur la défensive. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est la droite, et plus encore l'extrême droite, eh bien, qui mène le combat idéologique, qui domine le débat. Alors quelle explication est-ce que vous donnez à cette inversion ?– Je pense qu'il y a, dans le fait que le débat se déroule aujourd'hui et depuis 4 ans, essentiellement sur la thématique l'adversaire du président de la République, Macron, sera la prochaine fois, comme cette fois-ci, Marine Le Pen. Et donc, tout a été instrumentalisé, si je peux m'exprimer ainsi, par le président de la République, avec notamment les chaînes d'infos en continu qui nous ont martelé du Marine Le Pen à l'envi. Et on a assisté à une droitisation de l'opinion. – Mais est-ce que le PS n'a pas aussi sa responsabilité dans cette affaire? Parce que beaucoup, y compris parmi les militants et les responsables socialistes, ont dénoncé une évolution sociale libérale du PS, en particulier sous le quinquennat de François Hollande. Et ça vous a détaché de l'électorat populaire, c'est ce que disent beaucoup de vos militants. – Si vous voulez me dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises sous le quinquennat de François Hollande, je suis le premier à le reconnaître, et à l'intérieur du parti, parce que je sais aussi me conformer à la discipline du parti, il y a des points sur lesquels j'étais en total désaccord. L'histoire de la loi El Khomri en son article 2, l'histoire de la déchéance de nationalité, moi j'étais tout à fait hostile et je l'ai dit en son temps. – Mais comment se fait-il, Jean-Marc Chabrigny, il n'y a pas que le PS qui est dans la situation que dépeignait tout à l'heure Jean Vitus, il me semble-t-il le Parti communiste également qui est dans la même nasse. Comment se fait-il que ces deux partis français de la gauche n'aient pas su prendre au bon cet immense mouvement qui était celui qu'on a peut-être oublié, mais qui a existé, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'est Mélenchon qui a pris la main là-dessus, ni le PS, ni le PC, ni voilà. C'est pas de prise en main de ce type de problématique-là. – C'est vrai, c'est vrai, mais il faut dire que ce qui était porté par les Gilets jaunes n'était pas aussi clair que ça. Et d'autre part, Mélenchon, lui, il a fait la fusion des deux, du PS, du PC, Mélenchon, ou c'est autre non, chose ?– Non, pas du tout. – Mais attends, Mélenchon, il est qu'à 9%, hein, il n'est pas non plus à 17%. – Hein, oui, mais eux, ils sont à 12% encore. – Il est essentiellement Mélenchon, quoi. – En tout cas, il domine la gauche aujourd'hui. C'est un peu l'histoire du Parti communiste dans les années 60, où le Parti communiste était très fort, et le PS, la SFIO beaucoup moins forte, ça empêchait tout rapprochement à gauche. – Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses soient figées. La campagne électorale n'a pas encore commencé. Je pense que c'est au mois de janvier que l'on va un peu voir se dessiner les choses. Rappelez-vous aussi bien de Hollande à 3% quelques mois avant l'élection, ou Balladur qui était donné élu et qui s'est retrouvé battu par Chirac. Donc je crois que là, il faut attendre. On est en train de mettre les choses en place, mais vous avez raison, la gauche ne peut pas aujourd'hui, au prétexte de ces différences, faire en sorte que les citoyens qui attendent d'elle, parce qu'il y a des besoins, et des besoins sociaux extrêmes avec l'histoire de la pandémie, mais pas seulement, aujourd'hui, il y a les plus faibles qui ont drôlement trinqué, les classes moyennes qui sont inquiètes et qui pensent au déclassement. Et puis, il y a les classes supérieures, les amis de M. Macron, là, du CAC 40, qui se distribuent des dividendes comme là, jamais. – Parce que si on fait l'addition des forces de gauche, je crois qu'on est autour de 27% ou 28%. Enfin, – Oui, vous faites l'addition de ceux qui sont aujourd'hui… – Non, mais qui sont des chiffres importants, ça veut dire que la gauche, elle peut exister, elle existe
potentiellement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'union de la gauche, c'est quelque chose qui est définitivement terminé? Parce que finalement, Macron, c'est le dégagisme des forces de droite et de gauche traditionnelles. Donc est-ce que vous n'êtes pas dans une bataille déjà perdue, quoi, tout simplement? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et moi, je milite aussi bien ici qu'au plan national, quand j'avais mon mot à dire. Parce que Mitterrand a gagné quand il y a eu une union de la gauche. Il n'a jamais gagné seul. Hein. Absolument. Donc, Et il s'est donné les moyens d'organiser une union de la gauche autour d'un projet, autour d'un programme qui pouvait être accepté par toutes les composantes de la gauche. – Alors d'ici les présidentielles, ça va être très compliqué. Deuxième tour, si la gauche n'y est pas, vous voterez Macron, comme la dernière fois? Je dis vous, c'est le Parti Socialiste. – Écoutez, personnellement, je me suis senti cocu, puisque j'ai voté Macron au deuxième tour, et je me suis senti cocu. Si j'en reprends, ça veut dire que j'aime. En Corse, alors là, pour le coup, c'est encore pire. Hein. Il n'y a plus de représentation élective nulle part, la Corse. Hein. La gauche, hein. Ni dans les grandes mairies ou alors de façon marginale, ni à l'Assemblée territoriale. Là, il y a une vraie responsabilité de l'ensemble des forces de gauche. – Oui, oui. Elle paye ses divisions, la gauche. Il ne vous a pas échappé que le Parti socialiste n'était pas présent dans la bataille des territoriales. Pourquoi? Parce que nous, notre postulat de base, c'était seule une liste de gauche peut avoir des chances d'avoir des représentants à l'Assemblée de Corse. Si nous partons désunis, et ce sera sans doute le cas au présidentiel, si nous partons désunis, il n'y aura pas d'élus de gauche à l'Assemblée de Corse. – Qui vous mettez dans la gauche aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est un peu dilué. – Aujourd'hui, dans la gauche, je mets le Parti communiste, bien entendu. J'y mets… – Le maire de Bonifacio, par exemple. – Écoutez, le maire de Bonifacio, je pense qu'il est authentiquement de gauche, mais je pense que c'est un homme de gauche qui s'est fourvoyé. Parce que Macron n'est pas à gauche, ni sur l'autre. – Jean-Charles Lersouche aurait pu représenter le Parti Socialiste, ça aurait été un bon candidat, en plus il est jeune, c'était une tête nouvelle. – Absolument, non mais je veux dire que tout n'est pas terminé. Et, si on fait des efforts pour rassembler autour de la table tous ceux qui se réclament de la gauche, Jean-Charles il se réclame de la gauche. Même si par ailleurs, il trouve du charme à Macron et à son caractère décentralisateur, dont je doute. – Il s'est passé en Corse, qui s'est passé aussi sur le continent, c'est-à-dire que vous avez une partie de la gauche, de gens qui se sont toujours revendiqués à gauche, qui à un moment donné ont dit « on devient macroniste ». Macron, il vient aussi de la gauche à un moment donné, même si après sa politique, vous pouvez dire effectivement qu'elle n'est pas toujours de gauche, mais… Ça vient de là, quand même. Je comprends que des gens comme Jean-Charles Lersouche disent qu'il y a eu cette migration vers cet homme qui représentait quelque chose quand il a été élu. Moi, je suis convaincu que Jean-Charles Lersouche ne vit pas très bien cet engagement, mais qu'il a une certaine idée de la fidélité. Alors, comment on reconstruit la gauche en Corse, hein, au niveau national? On se met autour d'une table. – Alors avec qui? Le Parti communiste? – Le Parti communiste, Jean-Charles Lersouche éventuellement, les personnalités qui se sentent à gauche, le maire de Petrosé, Lucioni. – Et les radicaux ?– Les radicaux, il faudra bien qu'à un moment donné, ils se déterminent pour nous dire s'ils sont… – Et quels radicaux? Parce que les radicaux sont eux-mêmes divisés. Ce n'est pas nous qui allons faire le choix des radicaux. Nous, on dit, on organise un tour de table, on met en évidence ce qui nous sépare, nos divergences, et puis on essaie de construire un socle de valeurs sur lesquelles on peut se retrouver tous et qui répondent à l'attente des électeurs. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'électeurs, plein de nos concitoyens qui se sentent complètement… Ça a été quoi le point de départ de la rupture? C'est Ségolène Royal? Non. Je pense que les Français nous ont fait payer un petit peu le fait qu'ils ne se sont pas tout à fait retrouvés dans les décisions du quinquennat qui vient de passer. Mais il y a eu des bonnes choses, de très bonnes choses qui n'ont pas été défendues
Et puis, il y a eu ce que je vous ai dit tout à l'heure. – Alors, très vite, dernière question. Vous n'êtes plus secrétaire du Parti Socialiste, vous avez renoncé à votre prochain mandat. Qui pour vous succéder, très vite, en 30 secondes ?– Ben écoutez, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Nous sommes en direction collégiale, et sans doute, quelqu'un va émerger de cette direction collégiale. Rapidement, on a 3 mois pour le faire. Eh bien, ce sera votre conclusion, Jean-Marc Chabril. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Messieurs, merci à vous également. Rivich, Tarek, Compio, Jeredroem, Benaribro, c'est un peu une autre émission. Intanto, bonne azère, bonne azère, à tous.